Bonjour, ce matin, je vais vous montrer comment préparer votre toile pour jeudi. Alors, on avait parlé qu'on allait faire un projet relativement au projet relatif à la nébuleuse. Alors, donc, c'est dans l'esprit du mouvement qui est circulaire, avec de la texture et des couleurs. Alors, moi, je vous suggérerais de pas trop centrer votre texture, disons. Ici, faire un vide puis la texture autour, ok, ce n'est pas ça. C'est plutôt dans un mouvement d'ellipse. Donc, l'ellipse est comme un ovale qui tournoie comme ça. Mettez-la pas perpendiculaire aux deux coins. Votre composition va être difficile à organiser. Alors, moi, je vous ai montré des photos en début de ce même vidéo. Je vous montre la photo de la nébuleuse qui comporte plusieurs panneaux. Ce n'est pas plusieurs panneaux qu'on va faire, c'est seulement un tableau, qui n'est pas plusieurs tableaux collés ensemble. Mais l'image qui est sur les cinq tableaux, on va juste ratisser un peu et puis faire un mouvement d'ellipse. Je vous montre comment ça fonctionne. Bon, je vous avais dit qu'on pouvait mettre du sable. Mélanger du sable, déposer le sable sur le modeling paste, à l'intérieur du modeling paste. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous voulez vous en procurer, il y a le magasin à 1$. Ils vendent du sable synthétique. C'est du sable artificiel qui est très beau. Même s'il est de couleur, vous pouvez le prendre quand même. Préférablement, prenez du blanc ou du gris ou un petit beige, là, quelque chose d'assez neutre. Alors, regardez ça. C'est dans le coin de des décorations, des petits cadres et de l'acrylique et des toiles et tout ça. C'est pas loin de ça. Alors, bon. Donc, notre toile, moi, il y a déjà un petit peu de texture dessus, mais je prends quand même ma toile parce que c'est des toiles de démonstration. J'ai une assiette d'aluminium ici. Je peux mélanger mon modeling paste avec mon sable dans mon assiette d'aluminium. Moi, je ne vous suggère pas vraiment de faire ça. C'est une possibilité. Mais moi, je voterais pour une application de sable sur le modeling paste qu'on aurait tenté. Ça va être peut-être plus facile. Je vais vous montrer comment procéder. C'est juste que quand on met le sable sur le modeling paste, tout ça, c'est dans l'humide. Hein? Je veux dire, dans le sens où ben, vous ne mouillez pas votre toile avant. Là. Vous appliquez votre modeling paste puis tout de suite, vous mettez votre sable dessus pour que ça prenne ensemble. On va juste l'étendre un peu dessus délicatement. Alors, modeling paste. Il y a juste une... Vous avez parlé du composé à joint. Hein? Le composé à joint ne craque pas. Tandis que le modeling paste craque. Alors, vous pouvez avoir des craquelures au moment du séchage. Occupez-vous pas de ça, c'est pas grave. J'en ai déjà eu. On peut juste introduire un peu de gel, ce qui va faire en sorte de boucher les craquelures. On va peindre. Alors, avec le sable, ça va disparaître. C'est pas un gros problème, celui-là. Alors là, ce qu'on va faire... excusez-moi, je vais aller chercher une palette plus petite. Alors, ici, j'ai mon modeling paste. Donc, on va y aller un peu dans l'esprit. Donc, la nébuleuse, c'est quelque chose qui tournoie, qui est tournoyant. OK. Mettez-en pas un pouce d'épais. Hein. Essayez de ne pas dépasser un 8e, un 16e. Là. OK, il ne faut pas en mettre trop quand même. Donc, je m'en vais en... la forme d'une ellipse. Mais il ne faut pas que votre ellipse soit centrale. Il faut que vous partiez, qu'elle parte du bord du tableau, qu'elle déborde, OK? Donc, ça veut dire que vous partez du bord du tableau et vous l'étendez. Faites comme moi, vous allez voir, ça va aller bien. Normalement. OK? Donc là, j'en mets un petit peu ici. Vous pouvez arrêter la vidéo puis travailler en même temps. Il faut en mettre un petit peu plus épais à certains endroits, il n'y a pas de problème. Mettez-en assez quand même. Je n'y vais pas. De toute façon, si ça craque, on va remédier à la situation. Donc, je fais le genre
mouvement comme ça. Là, j'ai comme deux, une plus courte, une un peu plus longue. Et je viens ici en haut. Et puis, je pars du bord du tableau. Encore une fois, important. Là, je l'étends comme ça. Allez-y comme vous pouvez, c'est pas un problème. De toute façon, là, on va pouvoir... la nébuleuse, c'est seulement qu'une inspiration. Alors, cassez pas trop la tête, allez-y librement, expérimentez. C'est notre première peinture. Pour certaines personnes, c'est la première. Alors, faut se stresser avec ça. OK. Bon, j'en ai. Attention aussi pour ne pas faire un X qui est dans le milieu. Alors, je peux enlever les lettres. Je peux jouer avec. Non, je perds un peu ma notion de la nébuleuse. Je m'excuse. Okay, je vais la partir de la en haut. Ça ne va peut-être plus. Mais... juste comme ça. Pourvu que vous ayez ce mouvement-là ici. OK? Puis ici, on peut venir comme ça. Ce qui va faire que... regardez bien l'image. Observez-la un peu. Il faut juste avoir une idée. Parce qu'il faut que ça... je m'en allais comme ça, là. Mais dans... au fond, c'est plus comme ça. Ici, au centre, on peut en mettre un petit peu plus. Ça, là, j'ai l'impression que ça... je vais vous montrer après le trait. J'ai l'impression que là, ça marche un peu mieux. Bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, on va le pain ici. Il est très humide, hein? Fait que j'en mets de la texture. Mettez-en, je n'y vous pas, là... c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop épais. Okay. Trop épais pour que ça casse. Bon, alors, une fois que j'ai fait ça, là, je mets mon sable. Là, vous essuyez vos instruments après l'avoir avec la jumelle. OK. Là, j'ai mon modeling paste qui est humide. Alors là, c'est le temps de mettre mon sable. OK, j'en mets aux endroits, plus ou moins. Aux endroits, j'en mets plus ou moins aux endroits où j'ai déposé mon bottling paste. Juste comme ça. Comme si on voulait moins là. C'est comme des poussières d'étoiles aussi en même temps. Je pense que ça peut être intéressant. Okay. Alors ça, ce qu'on fait après, parce que si je la laisse sécher comme ça, c'est certain qu'il y a des grains qui vont sécher, qui vont prendre sur le modeling paste, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui vont débarquer. Quand ça va être le temps de, après ces sèches-là. Alors, c'est pour ça que je vais juste repasser un peu comme ça. Puis en même temps, ça crée de la texture avec les grains. Mais, je veux dire, passez pas trop dessus non plus pour pas faire trop de lignes avec le sable, parce que vous allez voir, ça fait des marques. Ce qui est très intéressant. À ce stade-ci, lorsque je fais ça, je peux en ajouter. Si je veux en ajouter, par exemple, ça, je peux le faire. Je peux le faire, j'en ajoute. Je peux ajouter un petit peu de sable. Okay? Alors, je prends le temps de travailler. J'ajoute encore du modeling paste. Je le mélange. Okay? Je peux le faire. Voilà. N'ayez pas peur, ça va bien. Alors, ça fait juste un petit peu plus de texture. Alors, je passe mon coup comme ça. Okay, donc, ça me crée des lignes. Vous voyez, j'ai un mouvement comme ça qui va jusqu'au bord du tableau. Il traverse. Okay, mon modeling paste, il traverse inégalement, mais il traverse. Parce qu'ici, j'ai une ligne plus mince. Ici, j'ai
une bande plus épaisse. Ici, j'ai une autre bande qui part du bord et qui descend. OK? Voilà. Pour vous montrer, en tout cas. Ici. Là, il reste des grains qui sont libres, qui ne sont pas mélangés ou en épaisse. Là, c'est tout ça comme ça. Vous laissez tout ça comme ça. J'en ai moins un petit peu de grains de sable en haut, mais c'est voulu. Je vais vous montrer. Alors, je pense que c'est beau comme ça. Donc, ça vous fait pas mal de texture. Moi, c'est une toile d'environ 35 pouces par 35 pouces. Vous pouvez la prendre plus petite, rectangulaire, ça peut être 24 par 36, ça peut être 30 par 30. Allez-y assez grand, mais je veux dire, comme par ici, 30 par 30, ça pourrait être très bien, OK, pour ceux qui débutent. Alors, ceux que ça, les personnes avec qui sont avec nous depuis un certain temps, ben là, vous pouvez prendre la grandeur que vous voulez, plus grand. Ayez en tête que vous ayez de la place pour vous exprimer, hein, pour appliquer la couleur. J'ai pas mal de texture là-dessus. Là. Alors, je vais vous montrer ça après. Et voilà ma nébuleuse. Je pense que ça a bien fonctionné. Je vais m'approcher pour vous montrer ça. Alors ici, vous voyez le coin, le bord du tableau. J'ai parti mon mouvement de modeling paste, mes traces, à partir du bord du tableau. Une bande qui est un peu plus mince ici, une bande qui est un peu plus large ici, qui est inégale ici. Et puis ça monte comme ça. Avec votre encloir, ça va aller bien. Et je suis allée jusqu'au bord du tableau ici. J'en ai parti une autre un peu plus haut ici, du bord, du côté droit, vers le bas, OK. OK, je l'ai arrêté ici. J'ai un vide qui va me permettre de mettre la couleur brillante ici. OK, donc on est décentré. On n'est pas exactement au centre. On est un petit peu en bas du centre. Je ne sais pas si vous voyez là. Mon espace de lumière est là. OK, alors ce côté-là, je le descends jusque-là. Je l'arrête. Je vais avoir de la place, mettre de la couleur ici. OK, puis ici, j'ai parti une autre bande comme ça. Ici, qui va jusque vers le centre du tableau, OK? Puis un peu ici, moins épais, avec un petit peu de sable, moins de sable. Donc, votre sable peut être concentré plus ici et plus au bas ici. Il peut être concentré aussi là. Alors, voyez-vous, ici, j'ai ma nébuleuse. Ici, j'ai un centre qui est décentré, un centre de nébuleuse, mais sur ma toile, il n'est pas au centre exactement, il est juste un petit peu décentré vers la gauche. Okay? Alors voilà, le sable ici il ressort plus. S'il en reste du sable là, qui est libre, laissez-le quand vous allez tourner votre toile ou mettez une nappe de plastique ou du papier journal pour que, surtout du plastique, là, peut-être une nappe, allez chez le Dollarama, prenez-vous 2-3 nappes, ça va toujours être utile pour nous, des petites nappes en plastique là, pour que si vous avez de l'écoulement de sable, ben, que ça ne fasse pas trop de grains partout là, dans la maison. Alors ici, je vous dis, ça vaut la peine de mettre du sable. Si vous n'avez pas de sable, mettez-en du modeling paste assez épais, mais pas trop épais. Comme je vous dis, dépassez pas à peu près un huitième, là, OK, pour pas que ça fasse trop de craquelure. Mais un petit peu de sable, c'est intéressant, OK? Alors voilà, la texture de près. Donc, j'ai mon modeling paste ici, il y a quelques grains de sable. Moi, j'ai pris de la pierre pulvérisée. Je pourrais vous en vendre, si vous voulez. Mais prenez le sable de chez Dollarama, ça va très bien. Puis, il est très beau, ce sable-là. Alors, voilà, j'ai des grains ici. Ici, en bas, on descend. OK, on a la texture. Voilà. OK. Ici. Donc, je laisse sécher le tout. Laissez ça sécher jusqu'au lendemain. Là. Puis le lendemain, si vous voulez, vous pouvez appliquer une couche sur les parties texturées là, de médium liquide, si vous voulez. Ça va aider au grain de sable à se tenir, là, à rester fixé. OK, c'est un scellant. Donc ça,
C'est pas trop compliqué. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, vous m'écrivez sans hésiter. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous soutenir dans ce projet-là. Si c'est votre premier projet, stressez-vous pas. On fait ce qu'on peut. Moi, je pense que la nébuleuse, c'est un beau sujet, même pour les personnes qui débutent. Alors, je vais vous faire une démonstration d'une autre toile qui est plus à la verticale. Et puis, on va disposer la texture un peu dans le même sens, OK? Bon. Ça, c'est ma toile horizontale, OK? Elle mesure environ 24 par 48. Environ. OK. Pour mon groupe du jeudi matin, prenez la démonstration, l'exemple de la démonstration, surtout les débutants, là, de ce que je vous ai fait précédemment sur la toile carrée de 35 par 35. Vous pouvez acheter une 30 par 30. OK? Ça va être assez grand. Pour les autres qui sont avec moi depuis un bout de temps, vous êtes libres. Vous pouvez entreprendre le projet que je vous fais là. OK? Alors là-dedans, il rentre. Moi, je vais faire entrer avec du modeling paste, OK? Avec du sable, mais aussi avec la pellicule de plastique. Bon. S'il y a des nouveaux qui veulent l'essayer, vous pouvez. Mais faites attention. Essayez de faire la même chose que moi, OK, le plus possible, pour que vous ayez une composition qui se tienne. Là, on a une toile horizontale. Donc, moi, je vous parlais de la nébuleuse. Ça peut faire un paysage aussi. Donc, je pense aux personnes qui veulent aller plutôt dans le sens du paysage. Alors, j'ai une forme ici allongée. Alors, je peux y aller déposer ma texture dans ce sens-là. Je ne suis pas obligée de la faire nécessairement toucher le bas de la toile. OK, je peux juste aller comme ça. Donc, OK, j'ai un petit vide ici. Disons deux tiers là, un tiers ici, OK, à peu près. OK, alors ça, c'est une possibilité. Vous pouvez choisir de ne pas mettre de sable. Donc, il suffit, la pellicule de plastique là, avec le modeling paste, c'est qu'en étant notre modeling paste, on pose la pellicule de plastique, on la laisse pas dessus, OK? La pellicule de plastique va juste faire des empreintes. Donc, on l'appuie un peu dessus, puis on l'enlève tout de suite, puis là, on le laisse sécher. OK, vous comprenez? S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, écrivez-moi. OK, alors moi, je vais faire un peu des deux, OK, pour juste donner un petit plus à ceux qui sont avec moi depuis un petit bout de temps. Là. On peut faire tourner notre axe aussi, OK? Je ne suis pas obligée de... Faites attention aux concentrations d'obliques, là, de la texture. Faites attention à ça. Décalez un petit peu, juste comme ça, OK? Vous faites juste monter un petit peu faire monter votre axe, OK? Bon, alors on va y aller. Regardez-moi, puis je vais vous montrer après ce que ça donne. Alors, voilà. Bon, donc j'ai mon modeling paste, encore une fois. Le sable, je vais le déposer sur la surface. Bon, alors voilà. Si je viens ici. Alors, si vous faites le paysage, ben, ça peut prendre cette allure-là. Je vais y aller un peu dans le sens du paysage au centre de la table, OK? Juste pour ceux qui veulent faire un peu plus sur le paysage abstrait. Malgré qu'on va en faire un paysage abstrait, hein, par la suite, alors... Bon, descends-tu un peu. Donc, c'est quand même dans l'esprit de la nébuleuse, dans le sens où on a quand même la... Mais je vais, excusez-moi, je vais juste descendre ça ici. C'est pas vraiment ça que je veux. Okay. Bon, alors voilà. Si j'en mets ici, okay, j'en mets ici. Ici, de ce côté-là, je vais en mettre plutôt comme ça. Mais comme ça. OK? Alors. Un peu comme tantôt, mais à la verticale, à l'horizontale, si vous voulez, sur une toile plus, qui est plus... Donc, ça va être comme ça. Donc, je peux y aller. Je vais en mettre un petit peu plus comme ça. C'est sûr que
ça prend encore la lourde d'année bleue. Ça peut aussi faire un paysage, juste le fait qu'on soit en format plutôt horizontal, panoramique, là, c'est sûr que ça prend une autre allure. OK? Bon, voilà comme ça. Je la trouve un petit peu comme en forme d'œil. Je vais juste la mettre dedans un peu, là. Bon, on va y aller comme ça de toute façon. Bon, si je mets mon sable, je peux le mettre tout de suite, je peux en mettre, OK? Admettons, là, je décide d'en mettre ici, hein. Ça ne m'empêchera pas de mettre ma pellicule de plastique parce que j'ai pas du sable partout. J'en ai mis quelques grammes. On va regarder ce que ça va donner, de toute façon. Si on n'aime pas ça, bon. Si je ne sais ce que je fais là, je le fais devant. Hein. Je le modifie devant. Voilà. Alors, j'ai mis mon modeling paste. Donc, une bande comme ça. Et j'en mets ça. OK. Okay. Alors, une bande comme ça. Puis une autre bande qui vient comme ça. Donc, je vais passer dessus. Hein, je vais par là. Ça fait des lignes. OK, là, je passe dessus, là, comme on dit, ça fait des lignes. Donc, là, c'est là, je passe. Je vais passer un peu dessus ici. Et puis, après, je prends mon plastique. Donc, ça fait comme deux techniques, hein, le sable, puis le plastique. Donc, regardez, c'est juste ça que ça fait finalement, ça vient juste faire des marques. Je le dépose ça aléatoirement. Bon. Ça ici, je prends ça, je l'enlève. Donc, ça me fait des empreintes. Tout simplement, c'est juste ça. Comme on a fait avec la couleur dans notre exercice cette semaine, là, sauf que là, c'est du modeling paste. Il faut l'enlever tout de suite. C'est la différence, parce que là, il faut qu'il sèche. Si on laisse le plastique, bien, ça ne sèchera pas. Alors voilà. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de sable, bien, je peux en ajouter. Mais là, je vais en ajouter plus en bas, je pense. J'aime bien l'effet du sable, je vous dirais. Donc, j'en ajoute. Si je veux ajouter un petit peu de modeling paste, je peux. Mais moi, je vais me contenter, j'ai une bonne épaisseur, là. Je vais me contenter juste pour passer dessus un peu. Okay. Okay. Et voilà. Voilà. Alors, c'est fait. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors, ça, c'est notre toile qui est horizontale, panoramique. Voyez-vous, la texture part du bord du tableau ici. Je descends, j'ai un vide ici. OK? Je descends jusqu'en bas, je touche le bord du tableau. Ici, ça part du bord du tableau. Je suis allée un peu dans plusieurs sens. Jusque-là, je fais toucher le bord du tableau avec ma texture aussi. Ici aussi, je fais toucher le bord du tableau. Toucher le bord du tableau, c'est important parce que ça donne plus de largeur, ça donne plus d'amplitude à votre peinture. Et c'est pas votre composition ne sont pas toutes ramassées au centre. Là. Elles ne se retrouveront pas toutes au centre. Vos éléments vont se retrouver... Il ne faut pas que vos éléments se retrouvent tous au centre. Okay? Il faut qu'il y ait une dispersion de vos éléments. Puis quand on touche au bord, ben, ça donne de l'amplitude. Okay? Ça donne plus de... L'œuvre au niveau de la composition est plus intéressante. Okay? Alors voilà, ici j'ai quand même une bonne épaisseur. Okay. On a les traces de la pellicule de plastique ici. Là. Okay. Puis on a le sable. On a les grains qui ont fait de la texture lorsque j'ai passé mon racloir. Okay. Voilà ici. Un bon jeu de ligne ici. Là. Ça, c'est le racloir et le sable qui ont fait ça. Ça, c'est les grains de sable qui ont fait ces lignes-là. Voilà ici. Pellicule de plastique, ici. OK, les grains de sable qui ont fait des lignes. J'ai quelques grains de sable ici. J'en ai moins de ce côté-là du sable, OK? Voilà.
Voilà, c'est tout simplement ça. Simple puis pas simple en même temps. Je veux pas que vous voyez ça trop compliqué non plus pour les débutants, mais vous allez voir, je pense que ça va aller bien. Laissez-vous aller un peu, là, puis faites comme vous le pensez. Puis s'il y a des petits réajustements au niveau de la texture, on le fera. C'est pas plus compliqué que ça. Et au prochain cours, on va faire voyager la couleur avec l'eau là-dessus pour démarrer notre composition. Je vais vous faire une démonstration de ça pour qu'on puisse le faire tout ensemble. On fait sécher ça, c'est pas long à sécher. Et puis après, je vous ferai une autre démonstration. Puis si on a le temps, on démarrera notre peinture. Et sinon, ça va aller à l'autre cours. Donc vous allez avoir un trois cours, je pense bien, pour faire cette peinture-là. OK? Alors voilà, c'est ma démonstration, c'est la préparation de la toile. Vous avez des questions? Vous m'écrivez, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci, à jeudi.